allons repartir aujourd'hui, chers téléspectateurs, 8 décennies en arrière, puisqu'en avril 1938 commençait la première crise tchécoslovaque qui devait aboutir aux accords de Munich au mois de septembre suivant. Question ô combien disputée depuis, hein, on sait à quel point l'épithète munichois a pris depuis un tour tout à fait péjoratif, ce qui explique qu'il est utile de revenir sur cet épisode du siècle passé. Le contexte tout d'abord. Hitler est devenu chancelier du Reich en janvier 1933 et il a entrepris au fil des mois suivants et des années suivantes de remettre en cause les clauses militaires du traité de Versailles. Après le succès du plébiscite de la Sarre en janvier 1935, il prend prétexte en mars du prolongement du service militaire en France pour restaurer en Allemagne une armée de conscription et annoncer donc le réarmement de l'Allemagne en s'affranchissant des contraintes relatives aux différents matériels qui étaient jusque-là prohibés. Les Britanniques, quelques mois plus tard, en juin 1935, vont mettre également la main à la pâte puisqu'ils vont autoriser l'Allemagne à se doter d'une flotte de guerre, interdite aussi par les traités, à condition qu'elle ne dépasse pas 35% en tonnage de la flotte anglaise. Pour couronner le tout et conclure cette évacuation des clauses militaires de Versailles, en mars 1936, Hitler va décider, prétextant de la ratification du pacte franco-soviétique, il va décider la remilitarisation de la rive gauche du Rhin, une initiative qui laisse les Anglais indifférents et qui laisse les Français impuissants face à ce nouveau coup de force. À ce moment-là, donc, les clauses militaires de Versailles semblent définitivement enterrées. Le Führer a l'intention ensuite de remettre en cause les clauses territoriales des traités. Et il y en a beaucoup qui retiennent son intérêt, hein, la question des frontières avec la Pologne, la question de Danzig, la question notamment de l'Autriche, la question des minorités allemandes de Tchécoslovaquie. Dès mars 1938, une première étape est franchie avec l'Anschluss, avec le rattachement de l'Autriche au Reich, qui laisse là encore l'Angleterre indifférente, qui ne fait qu'entraîner en France une crise ministérielle, hein, la chute du gouvernement Chautan, de vaines tentatives de Blum pour le bon cours, finalement l'arrivée aux affaires du gouvernement Daladier en avril 1938. En tout cas, l'Anschluss est réalisé. Hitler ne veut pas en rester là et dès le mois d'avril, eh bien, il imagine un plan pour la suite et notamment pour ce qui concerne la Tchécoslovaquie, car il entend rattacher au Reich la minorité allemande des Sudètes. C'est le début donc d'une crise qui va durer jusqu'à l'automne. Qu'en est-il à ce moment-là? La Tchécoslovaquie, on le sait, c'est un État qui a été créé sur les ruines de l'Empire austro-hongrois lors des traités de 1918-1919. Et cette Tchécoslovaquie, c'est une mosaïque de populations dont on a rêvé qu'elle allait devenir une nation au sens classique du terme. En réalité, une majorité tchèque est en position dominante par rapport à une minorité slovaque, mais il faut ajouter à tout cela une forte minorité allemande dans la région des Sudètes, à l'ouest du pays, à l'ouest du quadrilatère de Bohême, et également une minorité hongroise, une minorité polonaise, et même une minorité ruthène dans l'est du pays. Donc
donc une mosaïque ethnique dont la viabilité, il faut bien le dire, au départ, n'était pas absolument évidente. Et ce qui devait arriver arriva, la minorité allemande des Sudètes proteste dès 1919 quant au sort qui lui est réservé, et bien sûr l'arrivée au pouvoir de Hitler en Allemagne va donner des ailes à ses leaders, et Konrad Henlein, qui est le chef du parti allemand des Sudètes, va réclamer haut et fort un plébiscite dans la perspective d'un éventuel rattachement au Reich. Voilà les données initiales de la crise. Dès le printemps 1938, le congrès de ce parti allemand des Sudètes qui se tient à Karlsbad, à Karlovy Vary, fait monter encore la pression. La crise est donc ouverte à partir de ce moment. Les Allemands des Sudètes veulent se voir octroyer au minimum l'auto-administration, veulent l'égalité absolue en matière de langue, en matière de nomination administrative avec les Tchèques. Le gouvernement de Prague, quant à lui, bien conscient des dangers que représenterait une attitude qui consisterait à céder à ses revendications par rapport aux autres minorités, lui ne veut rien entendre. Alors, la France, évidemment, est inquiète, elle a des engagements avec la Tchécoslovaquie depuis le lendemain de la guerre, et Daladier annonce clairement qu'elle tiendra ses engagements internationaux, donc qu'elle soutiendra éventuellement la Tchécoslovaquie contre une initiative allemande. Alors, c'est la position de Daladier, d'Edouard Daladier, mais il faut savoir qu'au Quai d'Orsay, Georges Bonnet, lui, est sur une ligne beaucoup plus modérée et plus conciliatrice. En effet, il craint beaucoup la duplicité anglaise, avec quelques raisons. On a vu qu'au cours des années, des mois précédents, l'Angleterre ne s'était guère inquiétée des transgressions allemandes des traités. Il craint aussi l'attitude de Staline, qui pourrait tirer parti d'une grave crise européenne. Les Anglais, eux, sont beaucoup plus modérés, tout naturellement, mais les choses vont cependant s'aggraver rapidement. Des Allemands des Sudètes sont abattus par des gardes frontières tchèques en voulant passer en Allemagne. Konrad Henlein, le chef du parti allemand des Sudètes, est reçu par Hitler à Berchtesgaden, tout cela au cours du mois de mai, donc une crise de mai qui prélude déjà celle de l'été suivant, hein, avec un gouvernement tchèque qui joue la fermeté pour montrer aux alliés qu'il est bien décidé, déterminé à défendre ses intérêts. Oui, mais à la fin du mois de mai 1938, il y a des élections municipales en Tchécoslovaquie, et dans la partie allemande, dans la partie des Sudètes, 90% des voix vont au parti allemand des Sudètes, au parti de Konrad Henlein, ce qui ne fait évidemment que relancer les choses, la revendication d'un plébiscite devenant maintenant tout à fait affirmée de la part des Allemands. En Grande-Bretagne, l'opinion, le gouvernement, la presse sont partagés sur la question, car l'Angleterre veut maintenir de bonnes relations avec le Reich. Elle ne souhaite pas une crise européenne, encore moins un conflit européen. Les Anglais, en juillet, par la voix de Neville Chamberlain, leur Premier ministre, vont envoyer en Tchécoslovaquie Lord Runciman avec la mission de conduire une enquête qui permettra d'y voir un peu plus clair sur la question. Alors en France, les choses sont un petit peu différentes. Toute une partie de la droite anticommuniste veut l'apaisement parce qu'elle craint qu'une crise ne puisse profiter à Staline. Hein, c'est l'attitude, par exemple, de l'Action française. À l'inverse, il y a des hommes de droite, Henri de Caylis, André Tardieu, qui sont les tenants de la fermeté. La gauche, pour une part, et par antifascisme, est hostile évidemment à Hitler. Le Parti communiste, qui dénonçait naguère la Tchécoslovaquie comme une création impérialiste depuis 1935 et depuis que le Comintern a mis la priorité sur la lutte antifasciste, le Parti communiste est à fond contre
contre l'Allemagne dans cette affaire. Quant au Parti Socialiste, il est divisé, alors que certains, comme Léon Blum, se font les tenants de la fermeté. Une bonne partie des socialistes, derrière notamment Paul Faure, se veulent avant tout pacifistes et veulent absolument éviter tout danger de guerre. Dans le même temps, Lord Runciman va rendre son rapport au gouvernement anglais, un rapport tout à fait mesuré, tout à fait partagé, et qui va évidemment susciter en Angleterre une certaine méfiance vis-à-vis du gouvernement de Prague, que l'on soupçonne de vouloir pousser les démocraties occidentales à un conflit avec l'Allemagne. D'où les réserves du responsable du Foreign Office, Lord Halifax, qui va demander à l'ambassadeur britannique à Prague, Basil Newton, de faire pression même sur le gouvernement tchèque pour modérer ses ardeurs. Quant à l'ambassadeur britannique à Berlin, Anderson, eh bien, il considère, lui, qu'il faut en finir avec une politique suicidaire qui consisterait à soutenir envers et contre tout les Tchèques face aux revendications de la minorité allemande des Sudètes. Alors l'été se passe, et au sortir de l'été, début du mois de septembre, comme tous les ans, a lieu le congrès du parti nazi à Nuremberg. On attend évidemment cet événement, car on se doute bien que Hitler, qui prend la parole le 12 septembre, va évoquer le cas tchécoslovaque. Alors il se déclare tout à fait solidaire des Allemands des Sudètes, explique comment la patience de l'Allemagne sera bientôt à bout. En même temps, il ne lance pas d'ultimatum pour l'organisation d'un plébiscite, ce qui laisse la porte ouverte à une éventuelle négociation. Malheureusement, les choses se dégradent en Tchécoslovaquie. Le gouvernement de Prague instaure la loi martiale dans le territoire des Sudètes après des affrontements entre Allemands et police tchèque. Du coup, Chamberlain va se rendre à Berchtesgaden pour rencontrer Hitler, un entretien qui se passe plutôt dans de bonnes conditions. On parle d'un plébiscite. Hitler explique bien qu'il ne veut pas de Tchèques dans le Reich, donc ce qui exclut une éventuelle annexion de la Tchécoslovaquie dans son ensemble. Et sur la conclusion de cet entretien, on prévoit une autre rencontre une semaine plus tard. En même temps, les dirigeants du parti allemand des Sudètes viennent se réfugier dans le Reich pour éviter l'arrestation. Résultat, du côté anglais, on souhaite un compromis et on le signale d'ailleurs aux Français. Daladier et Bonnet se rendent à Londres le 18 septembre, et puis les Anglais font clairement comprendre que l'Angleterre n'est pas prête à suivre inconditionnellement le gouvernement de Prague. Les Français acceptent même le principe d'une annexion au Reich des régions où il y a plus de 50% d'Allemands, à condition que Londres donne sa garantie quant aux nouvelles frontières de la Tchécoslovaquie. Et on va de fait exercer une pression sur le gouvernement tchèque, sur le président Beneš, sur le Premier ministre Hoxha, et une note franco-anglaise, même du 21 septembre, va les contraindre, ces responsables tchèques, à s'incliner face aux conseils que donnent les protecteurs, entre guillemets, anglais et français. Mais entre-temps, le 22 septembre, une nouvelle rencontre entre Chamberlain et Hitler a lieu à Bad Godesberg, en Rhénanie, et là, le ton a changé. Hitler exige un plébiscite, il exige aussi des délais extrêmement courts pour l'évacuation des Tchèques dans les régions qui vont être annexées à l'Allemagne. Dans le même temps, la Tchécoslovaquie décrète sa mobilisation générale le 23 septembre. La température monte donc très vite à ce moment-là en Europe. Hein. Des questions précises comme le problème des équipements que les Tchèques doivent laisser intacts dans les zones évacuées, le problème des biens des Tchèques qui vont quitter les Sudètes font qu'on semble arriver à une impasse, et quand Chamberlain quitte Hitler
le 24 septembre, eh bien, il est quand même extrêmement inquiet pour la suite, d'autant que le lendemain, le Conseil des ministres français rejette les conditions posées par Hitler dans son dernier mémorandum, conditions qui allaient au-delà de ce qui avait été prévu lors de l'entrevue de Berchtesgaden. Les Français, en fait, craignent que une éventuelle sécession du Sudetenland n'ouvre la voie à une partition pure et simple de la Tchécoslovaquie, où la minorité slovaque met en cause, elle aussi, l'hégémonie de Prague. Alors, les derniers jours de la crise, voient Beneš dire à l'ambassadeur français Delacroix que la Tchécoslovaquie est prête à la guerre. Jan Masaryk explique la même chose à Londres à Chamberlain. Le 24 septembre, une mobilisation partielle est décidée en France. La classe politique française se divise. Pierre-Étienne Flandin, responsable de l'Alliance démocratique, fait placarder un appel à la paix dans lequel il dénonce le processus qui est en cours. Daladier lui déclare que la France respectera ses engagements, c'est ce qu'il explique aux Anglais. Chamberlain, alors là, est inquiet, il écrit de nouveau à Hitler en envisageant une nouvelle rencontre. Hitler qui, le 26 au soir, tient un discours attendu au Palais des Sports Berlin, un discours en termes très exigeants. Il veut une réponse avant le 28 à 14h. On craint là d'aller vers la rupture, et la Grande-Bretagne, entraînée en quelque sorte dans cette dynamique de crise, annonce qu'elle soutiendra la France si la France soutient les Tchèques. Donc on est vraiment à ce moment-là, 28-29 septembre, apparemment à la veille d'un nouveau conflit. Hitler a reçu pourtant des missives de Roosevelt, le président américain, du roi de Suède, l'incitant à la modération. Il précise qu'il n'entend pas démembrer l'État tchécoslovaque, qu'il est tout à fait disposé à garantir les nouvelles frontières de celui-ci. À Berlin, André-François Poncet, l'ambassadeur, se mobilise pour expliquer aux Führers ce que la France est prête ou pas à accepter. Et c'est à ce moment-là que l'ambassadeur italien Attolico vient proposer à Hitler une conférence internationale imaginée par Mussolini qui réunirait les quatre grands, c'est-à-dire l'Italie, l'Allemagne, la France et l'Angleterre, pour régler la question tchèque. Hitler accepte, Chamberlain et Daladier sont invités, la presse est informée, ce qui soulage un peu les opinions publiques, désormais anxieuses à la veille du déclenchement d'un éventuel conflit. Chamberlain et Daladier se rendent à Munich, Mussolini les rejoint. On se retrouve donc avec les quatre responsables, accompagnés de leur responsable des affaires étrangères, l'anglais Horace Wilson, Ciano pour l'Italie, Ribbentrop pour l'Allemagne, Georges Bonnet pour la France. Il est à signaler que pendant ces conversations, les responsables tchèques sont tenus à l'écart et priés d'attendre dans la pièce voisine, ce qui évidemment pour eux apparaît comme une humiliation difficilement supportable. On va discuter sur l'indemnisation des biens abandonnés par les Tchèques dans les territoires évacués. La discussion est assez rude, elle va continuer jusqu'à 1h du matin le 30 septembre et finalement on va aboutir à un accord signé donc par les quatre grands. L'après-midi du 30, Daladier et Georges Bonnet rentrent à Paris, au Bourget. Une immense foule les attend, on connaît l'épisode, Daladier est inquiet, il craint fort d'être hué par cette foule. En fait, il est acclamé parce qu'il apparaît comme le sauveur de la paix, et quand il revient vers la rue Saint-Dominique, eh bien, il est acclamé par les Parisiens. Même chose pour Chamberlain à Londres, qui lui est satisfait du résultat. Il arrive au 10 Downing Street en brandissant l'accord
qui a été signé en se flattant qu'il a obtenu la paix pour une génération, et il est acclamé lui aussi par la foule. En fait, la Tchécoslovaquie perd 28 600 km², 3 600 000 citoyens, mais il faut savoir aussi que dans ce contexte, les Polonais en ont profité pour récupérer l'enclave de Teschen, et que les Hongrois viendront s'en mêler également pour récupérer une partie du territoire slovaque occupé par une minorité magyare. Les accords sont ratifiés au cours des jours suivants. Les classes politiques sont divisées. Hein. En Angleterre, Churchill et Anthony Eden sont hostiles. En France, Kaelis, que j'ai déjà cité, les communistes, Léon Blum par exemple. Mais ces accords sont quand même ratifiés. Et au niveau de l'opinion publique, le soulagement est quand même général. On se félicite que la paix soit ainsi sauvée. On l'espère pour longtemps. Alors le débat a été ouvert ensuite, évidemment, quand on sait ce qui s'est passé au cours des années suivantes. Mais là, il faut se garder aussi de tout anachronisme. Il faut bien voir quelle était l'attitude de l'Angleterre, bien peu décidée à s'engager sur le continent dans un nouveau conflit. La France n'avait qu'une stratégie défensive, comme chacun sait, à l'époque. Donc, la capacité à soutenir la Tchécoslovaquie était pour le moins incertaine. Il est certain que pour les Français, il eût été plus facile de réagir en mars 36 à la remilitarisation de la Rhénanie plutôt que d'intervenir en septembre 38 sur cette affaire tchécoslovaque. Chamberlain pensait avoir sauvé la paix pour une génération. Déception à l'issue, bien sûr, puisque dès mars 1939, la deuxième crise tchécoslovaque allait rayer ce pays né de la Première Guerre mondiale de la carte d'Europe. Alors, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Philippe Martin, qui vient de publier aux éditions Vuibert, à la librairie Vuibert, Les secrets de Saint-Jacques de Compostelle. Philippe Martin est professeur d'histoire moderne, spécialiste d'histoire religieuse, et on pourrait être surpris de ce sujet, de ce thème de son livre, parce qu'on peut on aurait plutôt attendu un professeur d'histoire médiévale. Mais je crois qu'il y a quand même de bonnes raisons pour qu'un moderniste s'intéresse à Compostelle. Ben oui, parce qu'il faut peut-être en finir avec un certain nombre de légendes. Mmh. Le grand temps de Compostelle, c'est le 15e, 16e, 17e et 18e siècle. Et finalement, on a mythifié un petit peu un Moyen-Âge. Mmh. Il ne s'agit pas du tout de dire qu'il ne se passait rien au Moyen-Âge. Absolument pas. Mais les grandes foules, les milliers, les dizaines, voire les millions de pèlerins, c'est au XVIe et XVIIe siècle qu'ils viennent. – Et ils viennent de toute l'Europe, ce qui correspond à l'image que l'on a d'un Moyen-Âge en marche vers Compostelle. – Exactement, ils viennent de toute l'Europe, alors ils viennent pour des raisons différentes, on dirait qu'il y a des gens qui viennent pour de la piété uniquement, mmh. pour prier, et puis après il y a toute une foule assez informe de gens qu'on appellerait nous aujourd'hui des SDF, c'est un peu un anachronisme, mais c'est exactement ça, il y a une foule de gens qui plutôt que d'errer sur les routes près de chez eux, prennent le chemin, se disent pèlerins. Je suis pas persuadé qu'ils vont vraiment à Compostelle. Oui, la foi n'est pas forcément le mobile principal. Non, ils m'ont dit, ils vivent de petites rapines, etc. Mmh. Et puis le troisième type de public, c'est tous ceux qui veulent être en rupture. Rupture avec une famille qu'on ne veut plus, rupture avec un patron qui nous insupporte, et puis tout simplement, beaucoup de jeunes qui, avant de rentrer dans l'âge adulte, se disent, on va faire une espèce de marche initiatique et on part à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et alors, nous sommes là, dans la période que vous évoquez, 16e, 17e, 18e, dans le temps qui est celui de la contre-réforme catholique, ou de la réforme catholique, comme on dit aujourd'hui. Est-ce que tout ce courant, né du Concile de 30, favorise ou encourage le pèlerinage ? Le pèlerinage devient un des vecteurs de différence avec les protestants. Et puis surtout, le Concile de 30 a amené l'Église catholique à faire de l'ordre. Alors on va faire de l'ordre y compris dans les reliques de Saint-Jacques, et à partir du XVIe siècle, il n'y a plus qu'un endroit en Europe où on va officiellement honorer Saint-Jacques l'apôtre, c'est Compostelle.
Alors qu'il faut bien se rendre compte qu'au Moyen Âge, Toulouse est aussi important pour Saint-Jacques que l'est Compostelle, qu'il y a 8 corps complets de Saint-Jacques qui sont honorés un petit peu partout en Europe. Donc le Moyen Âge est une période beaucoup plus diffuse. Ouais. À le XVIe siècle, tout va se concentrer sur Compostelle et le pouvoir espagnol et le pouvoir de l'Église vont concentrer les fidèles pour aller à cet endroit. – Il y a un souci en quelque sorte de rationalisation, d'encadrement de la piété populaire qui va de pair avec la contre-réforme. – Exactement, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que pour le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, on va inventer les premiers papiers d'identité puis vous pouvoir surveiller ces milliers de personnes. Donc on va faire l'ancêtre de nos cartes d'identité, de nos passeports, de nos surveillances aux douanes, etc. C'est Compostelle qui va inventer ça. – Alors là, c'est effectivement une approche un petit peu inattendue en termes chronologiques de ce pèlerinage et de son importance au fil du temps. Mais nous allons revenir quand même sur ses origines et sur la période médiévale. Comment naît le pèlerinage de Compostelle? On découvre les restes, le tombeau de l'apôtre, donc c'est au début du IXe siècle. Comment est-ce que tout cela se met en place? Parce que c'est très loin aussi… Galice, c'est un Finistère, justement. Un Finistère. Il y a l'histoire et les histoires. Alors, les histoires, c'est l'apôtre qui serait venu évangéliser cette zone de l'Europe. Rigoureusement, aucune preuve qu'il ait même quitté la Terre Sainte. Qu'il est enterré à Compostelle, qu'on oublie son corps, et puis qu'un jour, une étoile se met à briller, un ermite découvre l'étoile, on trouve, miracle, le corps de Saint-Jacques est là. – Le corps de Saint-Jacques. Voilà. – ce sont les histoires. Maintenant, il y a l'histoire. Oui. L'histoire, c'est que la péninsule ibérique est envahie par le monde musulman, qu'au nord de l'Espagne règnent encore 2-3 rois chrétiens, et que ces rois chrétiens ont besoin, un, d'attirer des Européens pour venir les aider, et deux, de renforcer l'identité de leur camp. Et pour ça, ils vont forger la légende d'un apôtre qui serait venu, d'un apôtre qui aide leurs armées, d'un apôtre qui combat les musulmans. Voilà, alors l'étoile ou la politique, le pèlerinage existe entre les deux. Et tout cela intervient très tôt avec l'intervention du saint lors de la bataille de Clavijo qui vient soutenir le roi asturien. Ensuite, le roi de Navarre voit tout l'intérêt qu'il y a à faire passer le chemin par ses territoires parce que ça permet d'une activité, des ressources, des revenus. Tout cela se met en place de cette manière. Mais alors, sur le fond de l'histoire, on s'est quand même interrogé sur ce fameux tombeau. Parce qu'il y a diverses hypothèses qui ont circulé, et notamment, on a imaginé que ce tombeau pouvait être celui d'une personnalité de la basse antiquité, le chrétien Priscillien. Chrétien hérétique décapité. Mais nous sommes déjà dans l'espace chrétien. Et que faut-il penser de cette interprétation? Ce qu'il faut penser, c'est le fait que vous posiez la question. Au XVIe siècle, vous aurez voué à l'enfer. Ah oui. Parce que près du tombeau de Saint-Jacques, il y a des gardes qui s'écrient, je ne vais pas m'écrire, rassurez-vous, en allemand, en français et en latin, que toute personne qui doute que le corps qui est ici est celui de Saint-Jacques, l'apôtre, méritera l'enfer. Ah oui. Donc, faisons attention. Bon, dans la réalité, qu'est-ce qu'il y a? Pendant longtemps, pas grand-chose. Quand le roi d'Espagne demande à ce qu'on ouvre le tombeau reliquaire au début du XVIIe siècle, on trouve rien. Il n'y a rien. Et puis au XIXe siècle, au moment où Compostelle décline, l'évêque a une vision. Il va fouiller la cathédrale et on découvre 3 corps, dont un corps décapité. Immédiatement, le pape fait faire une enquête et décide que ce corps est celui de Saint-Jacques. Voilà. Ça ne doit pas être discuté. Bon. Dans la réalité, de quoi s'agit-il? L'apôtre, on n'a aucune preuve qu'il soit venu ici. Aucune. Autant… – Il y a toute une légende de l'arrivée de ces restes. – Oui. Il est venu et puis il est venu en Espagne évangéliser, puis il est reparti en Terre Sainte. – C'est ça, voilà. Il a été, alors là on rentre dans l'histoire, la vraie, Jacques a existé, c'est un des chefs de l'église chrétienne qui naît.
Il a été décapité, puis on le place dans une barque, et la barque, miraculeusement, traverse l'Atlantique, la Méditerranée, et arrive à Saint-Jacques. Ouais. Voilà. Dans un endroit, cette région de Galice, où il y a une charge de sacralité forte, déjà, dès l'Antiquité. Oui, mais une charge forte un petit peu particulière, parce que l'endroit de Compostelle, on a un temple romain, oui. Et on a aussi ce fameux Priscinien qui a développé une hérésie. Hérésie qui nie la Trinité, qui estime que Jésus a été adopté par Dieu, mais n'est pas divin, etc. On est dans le contexte des grandes querelles qui donnent naissance à l'arianisme, des grands débats qui vont être tranchés par les conciles, c'est exactement ça. Et autres. D'accord. C'est exactement ça. Donc, qu'a-t-on à Saint-Jacques? Est-ce qu'on a un corps anonyme ou ce serait un petit peu dérisoire, le corps d'un hérétique, aujourd'hui au cœur du principal pèlerinage chrétien. Ce sanctuaire de Saint-Jacques, il prend évidemment une très grande importance dans le contexte médiéval, au moment donc où les royaumes chrétiens de la péninsule ibérique sont confrontés à la menace musulmane, sont confrontés à l'envahisseur musulman. Au point que le fameux Almansour va dévaster Compostelle. Sauf les reliques. C'est ça, qui vont échapper miraculeusement. À tout ça. Là, on est à la fin du Xe siècle. – Exactement, et Saint-Jacques va accompagner la Reconquista, c'est-à-dire la reconquête de la péninsule ibérique par les chrétiens. Ça va être un élément pour mobiliser les chevaliers qui viennent de France, de la France actuelle essentiellement. Oui. Et puis, c'est aussi un élément pour favoriser l'identité. Il faut bien se rendre compte que tout pouvoir royal au Moyen-Âge a besoin d'un saint. – D'un mythe fondateur. En France, c'est Saint-Denis. C'est Saint-Denis, bien sûr. Ouais. En Espagne, dans ce qui va devenir l'Espagne, c'est Saint-Jacques. Ouais. Ouais. À Santiago, et que l'on voit, selon la légende, selon la tradition, que l'on voit intervenir aussi lors de la bataille de Las Navas de Tolosa, c'est le berger qui montre le chemin à travers la Sierra Morena aux troupes chrétiennes pour aller affronter les troupes almohades dans les meilleures conditions possibles. Santiago, c'est lui qui va être, le patron de la résistance espagnole à Napoléon, même à une époque. Mais c'est son nom que l'on invoque durant la conquête du Nouveau Monde. Pizarro s'en prend à l'Inca, c'est au nom de Santiago Aelios. Mais le cri de guerre des Espagnols, c'est Saint-Jacques. C'est ça. C'est vraiment leur cri de guerre et tout. Ouais. Saint-Jacques devient un élément essentiel, devient un haut lieu politique autant qu'un haut lieu religieux. Et alors le pèlerinage, il se met en place donc à partir de la fin du Xe siècle, je crois, à peu près. Hein. On a notamment un personnage, là, Godescalque, notre évêque du Puy, qui va ouvrir la voie en quelque sorte. Alors là aussi, Godescalque est un personnage historique qui est venu à Compostelle, mais sans doute pour des raisons politiques, pas pour des raisons de pèlerinage. Pas pour des raisons religieuses. Il est venu pour des raisons politiques parce qu'il fallait favoriser des alliances. Mm-hmm. Et quand, un peu plus tard, on va, à partir du XIe, XIIe siècle, créer l'histoire de Saint-Jacques, on efface la dimension politique pour en faire une dimension purement spirituelle. Purement religieuse. Et du coup, tout le monde est obligé de venir à Saint-Jacques. Mm-hmm. Charlemagne est venu à Saint-Jacques, mais c'est une invention. Ah oui, parce qu'on découvre le tombeau, selon la tradition, c'est tout à fait à la fin du règne de, Charlemagne. Charlemagne, il est passé par Pamplune, il a franchi les Pyrénées à Roncevaux, ça s'est mal passé. Mais on ne le voit pas aller jusqu'en Galice. Mais le pèlerinage a une force mythologique de manière à s'agréger un certain nombre de choses. Voilà. Il ne faut pas considérer que nos ancêtres étaient des naïfs. Hein. Mm-hmm. Ils se rendent bien compte qu'il y a une réalité et puis des mythes. Mm-hmm. Et pour eux, le mythe, c'est dans un espace merveilleux. – Voilà, c'est un récit sacré, mais dans lequel on cherche des références, des représentations, et ça se passe tout à fait naturellement. – L'erreur, c'est nous qui la faisons. Ouais. C'est nous qui la faisons en considérant que ces mythes sont des réalités, ce que les hommes du XIIe siècle auraient refusé absolument. – On pêche par anachronisme en fait, là, totalement. Dans la lecture de l'événement. Et alors, les gros flux de pèlerins, on commence à les voir arriver, c'est à partir du XIe siècle, à partir de l'an 1000 ?–
Le gros souci, c'est qu'on manque d'archives pour comptabiliser le nombre de gens. – Ça, évidemment. Voilà. – Donc on ne peut pas… Précise, oui. Voilà. J'allais dire les gros flux pèlerins, les gros flux pèlerins, c'est maintenant, c'est tout de suite. – Oui, bien sûr. – Parce que l'année dernière, en 2017… – C'est 200 000 par an. – 278 000 qui ont fait au moins 100 km à pied pour venir à Saint-Jacques. Ouais. Les grands flux, c'est maintenant. Et ce sont des gens qui viennent de partout pour des raisons très, très, très différentes. Diverses, Il y a les raisons religieuses, à peu près 40% des gens. Il y a les raisons culturelles, puis il y a les raisons culturelles et religieuses. – Et puis les gens sportives. – il y a tout, il y a les sportifs. – une randonnée, un défi pour randonneurs, en plus. – Il y a ceux qui font 60-70 km par jour. – Des beaux paysages à traverser. Voilà, on a vu qu'ils l'ont fait en patin roulette même. – Oui, tout est possible. Il y a ceux qui le font en bateau, en vélo, enfin, tout est possible. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'incontournable. Et c'est maintenant que le pèlerinage est le plus important. C'est maintenant que les fameuses quatre routes existent. Au Moyen-Âge, les gens n'empruntaient pas. Les fameuses quatre routes dont on nous parle, c'est une création des années 1920-1930. – Les routes par Tours, par Le Puy, par Arles, et puis Vézelay. Et à partir de Vézelay également, qui traversait ensuite le Limousin. En fait, oui, il y en a une multitude de routes, et puis on a simplifié tout ça de manière un petit peu, de manière un petit peu rapide. Mais alors, avec tout au long de ces divers chemins, des étapes évidemment tout à fait significatives. Il y a des étapes qui sont obligatoires d'abord pour des raisons de relief. Ronzeau, vous êtes obligé de passer à Ronzeau. Enfin, ou au Son-Port, plus Son-Port, on ne peut pas traverser les Pyrénées. Son-Port, Il y a des étapes qui sont nécessaires pour des raisons, j'allais dire, presque économiques. Au Mont-Brac, avec une grosse abbaye, c'est une espèce de désert et il y a peu d'endroits où loger. Et puis, il y a aussi les haltes qui sont les haltes parce qu'il y a des reliques, parce qu'on va gagner des indulgences, parce qu'on va y rencontrer la Vierge. La Vierge est très, très importante. Importante sur le chemin de Saint-Jacques. Le culte marial se marie en quelque sorte avec le pèlerinage de Saint-Jacques. Exactement, culte marial à partir du XVIe siècle. À partir du XVIe siècle, l'Église l'a diffusé. Pourquoi ? Parce qu'elle ne voulait pas supprimer Saint-Jacques, mais elle voulait contrôler Saint-Jacques. Donc du coup, on dit qu'il va voir l'apôtre sans avoir vu la mère, la Sainte Vierge, n'a rien fait. Et donc, véritablement, l'idée, c'est qu'on va recentrer… – Oui, puis on passe par Rocamadour, par exemple. – On passe par Rocamadour, on passe à Oviedo, on passe… Il y a une foule de statues miraculeuses sur le chemin de Saint-Jacques, de statues de la Vierge. Ah oui, ça c'est une vision des choses évidemment un petit peu surprenante parce que au XIe, XIIe siècle, c'est la période de renaissance ou d'éveil du culte marial très important, le temps des fameuses vierges romanes, etc. Mais à ce moment-là, il n'y a pas le lien avec le pèlerinage de Saint-Jacques. On va avoir une espèce de chronologie qui est au début l'invention de Saint-Jacques, après Saint-Jacques et puis une foule d'autres saints. Tous les apôtres vont se retrouver là, on va avoir une foule de personnages. Puis au XVIe, XVIIe siècle, c'est Saint-Jacques et la Vierge. D'accord. Et aujourd'hui, c'est Saint-Jacques. C'est ça, tout ça. Et c'est toujours la même route, c'est toujours le même lieu. Et alors ce pèlerinage, autant que je m'en souvienne, je crois qu'il était quand même regardé avec une certaine méfiance au Moyen-Âge par les hommes d'Église. Saint Thomas d'Aquin, je crois, explique que finalement, aller voir du pays comme ça, c'est pas forcément la manière la plus évangélique de se comporter. Il était dit, que vas-tu chercher à la Compostelle où il n'y a rien? Sous-entendu, reste chez toi, fais la messe, écoute la messe, fais les bonnes œuvres et c'est largement suffisant. C'est ça. Et l'Église, en tant qu'institution, face au pèlerinage, est toujours ambiguë, parce que d'un côté, ça correspond à une spontanéité des gens, à un besoin de protection. Que l'Église comprend, mais aussi l'Église s'en méfie. – Qu'elle veut distribuer elle-même, assurer elle-même. – Oui, et puis il y a quand même une foule de superstitions, il y a quand même des histoires merveilleuses, il y a quand même des gestes qui sont extrêmement gênants, enfin, embrasser la relique, se coucher sur la relique pour
pour se caresser avec la relique pour l'Église, tout ça, ça sent la superstition, ça sent pas la oui, foi. Voilà, hein, y a une sorte d'empathie avec un sacré immédiat qui gêne en quelque sorte l'Église, qui s'en tient, elle a été révélée, qu'elle est en mesure de mieux contrôler. Et l'histoire de Saint-Jacques montre bien comment on ne détruit pas la pulsion populaire, comment on essaye de la contrôler, comment le phénomène est extrêmement dynamique. Et Saint-Jacques, c'est quelque chose, en effet, qui évolue sans arrêt pour répondre à tous les besoins de la société. C'est ça qui en fait la force. Et alors, puisque vous êtes spécialiste d'histoire moderne et que vous avez parlé du pèlerinage au XVIe, XVIIe, XVIIIe, est-ce qu'à cette époque-là, nous avons des archives qui nous permettent une comptabilité, en quelque sorte, du nombre des pèlerins à cette époque-là? Alors si là, on ne l'a pas pour le Moyen-Âge, est-ce qu'on l'a à cette époque-là? Autant pour le Moyen-Âge, on a des archives pour les miracles, etc. Autant pour l'époque moderne, là, on va commencer à pouvoir voir les gens, tout simplement parce que contre les pauvres, les pouvoirs politiques vont prendre des décisions en obligeant les pèlerins ou pseudo-pèlerins à se faire enregistrer à certains endroits, et on commence à avoir des statistiques. Et en particulier, à Compostelle, on a les statistiques des gens qui sont hébergés. Vous pouvez être hébergé 3 jours gratuitement, mais à condition de, excusez l'anachronisme, de pointer. – De pointer, voilà. D'accord. Oui. – Donc là, on a des statistiques. D'accord. Et on s'aperçoit qu'au XVIIe siècle, on a des dizaines de milliers de personnes. Ouais. Puis, lentement, entre le XVIIIe et le XIXe siècle, un déclin. D'abord, le pèlerinage ne devient qu'espagnol. Il n'y a plus d'étrangers qui viennent au XVIIIe siècle. Ouais. Et puis, au début du XIXe siècle, il n'y a quasiment plus personne. Si ce n'est les gens de Galice, de proximité c'est immédiate. – C'est un petit pèlerinage de proximité, simplement. – Voilà. Je crois me souvenir, c'est au tournant des années 1960 où il y avait une action de l'UNESCO pour faire valoir ce chemin de pèlerinage. C'est à partir de ce moment-là qu'on constate le renouveau du pèlerinage tel qu'il apparaît aujourd'hui. – Alors, il va y avoir, dans les années 1920 déjà, un certain nombre de gens, comme Pongeville par exemple, qui vont reprendre le chemin. Et qui vont chanter en roman, en poème, la dimension historique du chemin. Mais alors, c'est des extrêmes minorités. Et puis, dans les années 60, en effet, l'Espagne va avoir une politique extrêmement, extrêmement d'ouverture et faire oublier la guerre civile, faire oublier la Seconde Guerre mondiale. Va, elle, classer un certain nombre d'éléments du Saint-Jacques et du chemin à son patrimoine national, puis c'est le classement à l'UNESCO. On arrive dans les années 90, et à partir des fin des années 90-2000, c'est l'énorme engouement actuel. – C'est là, c'est dans le courant des années 90, c'est une vingtaine d'années. Ça atteint c'est vraiment son maximum. Voilà. Et peut-on penser que c'est un intérêt qui va se confirmer dans les années qui viennent? Est-ce qu'on peut distinguer ou imaginer une tendance dans ce domaine? Alors la tendance, elle va être double. La première tendance, c'est que le chemin de Saint-Jacques devient de plus en plus organisé. On l'a dit tout à l'heure, 278 000 personnes l'année dernière. Ça signifie des gens qui viennent de partout, des Espagnols, des Allemands, des Coréens. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'universel. Ça devient un phénomène culturel. Pensez aux films, aux bandes dessinées. Enfin, toutes nos villes aujourd'hui ont des petits panonceaux qui indiquent le chemin de Saint-Jacques, des petits modules de métal. Voilà. À chaque fois qu'un nouveau pays rentre dans la communauté européenne, la carte des chemins change et on l'additionne à la communauté européenne. Ah oui. Donc, pour le moment, tout va très bien pour Compostelle. Mais du coup, se développe un autre phénomène. C'est qu'un certain nombre de gens veulent retrouver un chemin qui est un chemin avec moins de population, plus naturelle et tout, et commence à se développer d'autres chemins, le chemin d'Assise, pour aller de France sur les traces de Saint-François, en traversant la France, la Suisse, l'Italie, Rome, puis alors les plus courageux, ou les plus inconscients, c'est Jérusalem. – Jérusalem, oui. Ou même des pèlerinages locaux, comme le Trobrez breton. – Alors voilà, alors ça, en effet… – On sent aussi un retour, un regain d'intérêt. – Exactement. Le Trobrez, le chemin de Saint-Nicolas en Lorraine, les îles de l'Hérens, etc. L'idée que la foi peut s'incarner dans la marche, qu'on peut avoir, comme le disaient certains théologiens au XVIIe siècle, une prière des pieds, est quelque chose d'extrêmement important. La grande sociologue des religions, Daniel Hervieux-Léger, dit qu'aujourd'hui, il y a deux croyants.
le converti et le pèlerin. Ah oui. Donc, le pèlerinage se porte très bien. Ouais. Et risque de se porter encore très bien pour très longtemps. Oui, c'est quand même quelque chose d'assez fascinant et d'assez étonnant dans la durée de constater un tel phénomène après toute la période scientiste que l'on a connue au 19e siècle, une bonne partie du 20e. Ça fait partie d'un retour du religieux. Ah ben, on a un retour du religieux. Qui est un phénomène assez général. On a un retour du religieux qui va amener certaines de personnes qui font le chemin de Saint-Jacques à retrouver les églises, etc. Mais si on a un retour du religieux ou de gens qui ne vont pas aller à la messe, vont pas aller à l'église pendant l'année, mais concentrent pendant un mois, 15 jours, ouais, une expérience extrêmement forte, ouais, comme si ça leur suffisait pour, vous m'excusez, de se charger en quelque sorte d'une espèce d'énergie sacrée, puis que le reste du temps, ils seront modifiés. Ouais. Mais ça ne signifie pas obligatoirement qu'ils vont retrouver le chemin des églises. Et si l'on considère l'Europe d'aujourd'hui, quels sont les principaux contingents de pèlerins dans le cadre de chaque nation ? Les Espagnols, très, 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 très nombreux. Ouais. Les Belges, les Allemands, les Français. Les Français, on n'est pas les premiers extérieurs. Ouais. Et puis, beaucoup de gens qui viennent de très loin. Les Coréens. Actuellement, on a beaucoup de Coréens, Corée du Sud, qui viennent. Ouais. Alors, c'est souvent l'occasion pour un jeune couple. Les couples sont formés par les parents. Oui. Donc pour un jeune couple, avant ou juste après le mariage, de se rencontrer, donc on va à Saint-Jacques-de-Compostelle, d'autant plus qu'on a de nombreux Coréens qui se convertissent. Mm-hmm. Donc on a là… – Il y a un public catholique important. – Qui est important en Corée, et tout. – Mais vous voyez, ça me rappelle une anecdote de gens qui font le chemin, il y a 10 personnes, alors il y a un Anglais, tous les soirs, il est… L'anecdote est vraie. Et sous, voilà, mais il marche. Ouais. Il y a un groupe de Néerlandais qui font ça, comme nous, on irait faire l'Annapurna, etc. Ouais. il y a quelqu'un qui sort d'une grave maladie. Mm-hmm. Il y a un monsieur qui vient de divorcer. Bref, vous avez cette dizaine de personnes qui marchent, qui se croisent, qui ne s'entendent pas, enfin bref. Ouais. Et tout le monde se retrouve à la messe, ouais, à la dernière messe. Et tout le monde se regarde en se disant, on a fait des chemins différents, mais tous, on a... est arrivé dans un point. Au bout du compte, un dénominateur commun. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Philippe Martin pour tous ces éclairages tout à fait originaux. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les secrets de Saint-Jacques de Compostelle, à la librairie Juibert. Merci. Merci.